السلام عليكم سالم شمال معكم جيتاريست جروب Algerian Pink Floyd Project. اليوم on est là pour parler de Pink Floyd, de David Gilmour, du son et plus précisément des effets qu'il va utiliser. Alors بداو من le début. Gilmour il a commencé à utiliser les pédales donc dès qu'il a rejoint Pink Floyd, je me souviens plus où c'était exactement. Il a commencé donc à jouer avec ce qui se faisait à l'époque, donc c'est pas le pedalboard qu'il a utilisé first, d'accord. Donc il a commencé avec quelque chose de très simple, les premiers albums, donc Middle, Obscured by Clouds, etc. À l'époque, il n'y avait que des fuzz, des wah wah, de gros bidules qui servaient de delay, donc c'était ça qu'il a utilisé. Ou mal worked, donc il a évolué, ça a donné, pour ceux qui connaissent, donc le son que vous connaissez fait Pink Floyd Pulse, fait Delicate Sound of Thunder, The Wall, etc. Donc pour ma part, je me suis intéressé au son de Gilmour depuis une quinzaine d'années à peu près. Depuis, c'était des recherches. À l'époque, je pensais que c'était un guitariste qui avait tout planifié et tout, mais avec le temps, j'ai découvert que c'était pas du tout ça. En fait, c'est un guitariste simple, normal. Il s'est intéressé aux effets au fur et à mesure, rajouté des effets. Il avait un son dans sa tête. Il l'a cherché. J'imagine qu'il l'a atteint. S'il l'a pas atteint, en tout cas, il nous a sorti des merveilles. Alors, pour moi, je peux diviser le son à Gilmour en quatre parties, en quatre décennies. Le son 60-70, le son 80, on va dire, le son 90, et puis ce que j'appelle le son d'adore, quoi. Voilà, donc Qadr Nkoun Ghalt, Qadr Nkoun Sahih, ça c'est ma vision, ça c'est ce que j'ai trouvé de mes recherches depuis que je commençais à m'y intéresser. Alors, ça c'est mon pedalboard. Moi, sur mon projet avec mon groupe, donc on travaille actuellement sur le projet donc Pulse. Et là, à peu près, c'est ce que j'utilise pour recréer les sons de Pulse, entre autres, là, différentes autres sonorités un peu plus anciennes. Gilmour, Smabzef, des gens qui disent que, en fait, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de sons, Adobzef, les pédales, une tonne, tout ça. Alors, sachez que c'est pas du tout ça. Gilmour, on peut avoir le son, on peut le diviser en quatre sons, si vous voulez, quatre sons, quatre couleurs. À partir de là, on va dire au pied de division, la modulation. Mais généralement, je pense que c'est très simple. Au minimum, vous aurez besoin d'une seule pédale pour avoir un son tel que l'intro Tachaïman, par exemple. Ça, c'est en fait c'est deux pédales, pardon. Donc c'est une compression et un délai, voilà, tout simplement. Le son le plus compliqué de Gilmour va faire appel à, je dirais, 7-8 pédales. C'est le son que vous allez trouver confortable énorme, c'est vous allez trouver solo sur le live. C'est un son un peu enrichi, mais enrichi pour les besoins du live. D'accord. Donc, c'est pour occuper plus d'air, si vous voulez, on va y arriver. Donc, je disais, Gilmour, c'est 4 tonnes. Un son clair, en général, il faut faire la compression.
surtout les années 80, un son, on dit, at the age of breakup, boosté, d'accord, mais ça ne marche pas la saturation, ça ne marche pas le drive, un son overdriven, un overdrive, et un gros son, d'accord. Donc, à travers des temps, c'est-à-dire des décennies, le gros son Hada, il a changé. Donc, il a commencé par ce qui se faisait à l'époque, la pédale était par Hendrix, c'est bien sûr la first face. Voilà, ça. Donc c'est la Dallas Arbiter first face. Il a commencé avec une pédale en silicone, ensuite en germanium. C'est des détails. Vous, chez vous, qui cherchez, c'est-à-dire les Harakom Habin, les Abou Pink Floyd, voilà, on va dire en amateur, chez vous, retenez qu'il a utilisé plusieurs effets de gros son. Le Qawram, par exemple, le solo ta Echoes, le Qawram, le solo ta Time, le Qawram, le solo ta Comfortable Enum, etc. Donc, un gros son. Ça a été au départ, donc les années 70, Medal, Dark Side of the Moon, Animals, Hadou Kamel. Il a utilisé donc une first face. Ensuite, Electro-Harmonix a sorti donc la Big Muff, la Ramshead Big Muff. Il l'a très vite adopté. Ça l'a intéressé. Le son était plus. Je ne sais pas quel adjectif utiliser, donc je dirais le son était plus intéressant pour Gilmour. Voilà, donc il est passé à la first face, à la Big Muff, donc Big Muff Ramshead, pendant longtemps, elle l'a accompagné. Bad, la Triangle Big Muff, voilà, donc il a aussi adopté ça, mais ce n'était pas aussi, aussi utilisé que la Ramshead. Les années 90, il a encore changé pour une Softex Civil War. C'est l'équivalent à Electro-Harmonix. Bon, pour information, Electro-Harmonix avait vendu son entreprise, un truc comme ça, elle avait fermé l'usine. L'entreprise a été rachetée en Russie, où là, il y avait quelque chose comme ça. C'était sous le nom de Softex. Kharjit la Russian Big Muff. Parce que c'est une pédale russe, tout simplement. Voilà, et à partir de là, le fameux son, celui que personnellement j'adore, c'est le son de la Russian Big Muff. Là, j'ai la réédition Taha, c'est la Green Russian, tout simplement, qui fait parfaitement son boulot. Et voilà, donc à partir des années 90, il avait donc une tendance, la Russian Big Muff. Là, actuellement, les années 2000, donc depuis le Live Reunion en 2008, je pense, il y avait donc un retour vers tantôt la Civil War, tantôt la Ramshead, etc. Plus de first face, ça c'est pratiquement sûr. Voilà, donc tous les nouveaux albums Tao en solo, là, donc les dernières apparitions Tao à Pink Floyd, donc avant la séparation, c'était donc principalement du Civil War ou de la Ramshead. Alors Ramshead, pour note, c'est le solo de Tabou Kabel, Comfortable Enum, la version de l'album, c'est Ramshead, c'est une Ramshead avec une micro-position chevalée. Alors, pour le son clean, ça a toujours été la guitare Tao, tout simplement. Donc avant The Wall, c'était l'apparition de la compression, Hans Gilmour. Avant, donc, il n'a jamais utilisé de compression. Dark Side of the Moon, Animals, Medal, je pense que ça n'existait même pas. Pardon, Bad, j'ai de la compression, ça a ajouté un claquant. Alors regardez, c'est moi, si j'éteins la compression, si j'éteins, voilà, donc, en effet, la compression, c'est ça, c'est...
c'est cette attaque là la comme ça c'est-à-dire la note, ça va compresser le son, ça permet donc d'avoir des attaques. Vous voyez, voilà, donc allez, c'est la compression. Alors, pour la compression, il a commencé par une dynacamp. La dynacamp, l'album The Wall, voilà. Les années 80, Camel, tout ce qui est sorti les années 80, donc 79 The Wall ou la Camel, c'était de la dynacamp. Ensuite, années 90, les albums sur le terreau, About Face et David Gilmour, il a utilisé donc la CS2, la Boss CS2, qui est une compression beaucoup plus smooth, moins agressive, moins d'attaque, moins de saturation, moins de souffle. Brabhead la pédale, donc toute la période 90. Flay Live pour plus de d'attaque, donc la Kao Pulse, il l'a fait aussi, donc Delicate Sound of Thunder. Le Kao, il utilise donc deux compressions. Certains morceaux, mais chez des membres, mais le Kao, certains morceaux, donc il va utiliser deux compressions. C'est une technique qu'il utilise jusqu'à présent. Alors, il faut savoir qu'actuellement, Gilmour il a simplifié son rig, mais après, je suis avec le rig ultra complexe. Alors, si on pouvait dessiner une courbe, on va dire que ça a commencé, donc, Bdat Blaql, les premiers albums, donc c'était trois pédales, une Wawa, une First Face et un Binson Ecorec, donc c'était un gros bidule de Mac, c'était l'Ecorec 2, si je me rappelle bien. Enfin, il a utilisé les trois versions du Binson Ecorec. Bdat, ça a commencé donc par son échir. Au départ, c'était des pédales de saturation, donc la Color Sound Power Boost. C'était la première pédale de saturation d'overdrive. Ça donnait une puissance, une saturation. Alors, la Power Boost, vous allez la reconnaître, l'accompagnement Tetail, par exemple. C'est du Color Sound Power Boost. Smrohaf, bon, il l'accompagnement. Donc, vous avez un décalant. Moi, j'ai la reissue de Buffalo. J'ai excellente pédale. C'est des pédales boutiques qui reprennent un petit peu les pédales Gilmour, mais en apportant beaucoup d'améliorations. Parce qu'il faut savoir que les pédales, les années 70, tout ça, l'électronique n'était pas aussi élaborée que maintenant. La technologie câble Zeltman, c'est-à-dire ça n'a pas encore évolué. Alors maintenant, il y a des gens qui font des pédales comme ça, qui, apportent des améliorations, des pédales mythiques, et tout en gardant avec l'essence de la pédale, si je puis dire. Donc, la Color Sound Power Boost, je disais que le Power Half, par exemple, l'accompagnement Another Break in the Wall, vous avez quelqu'un qui vous joue le fameux, alors si je me rappelle bien. Et vous avez derrière la Color Sound Power Boost Wad Hakim Rahi Wender. Voilà, donc là, la Color Sound Power Boost avec les trebles et tout. Alors pour les solos aussi, donc vous allez la retrouver notamment Femoni, notamment. Sachez que le solo Femoni a été joué pratiquement par toutes les overdrives également. La Chandler Tube Driver, la Color Sound Power Boost, la Procora 2, donc Monet spécial. Mais je disais, donc la Color Sound Power Boost, il l'utilisait comme pédale d'overdrive, il l'utilisait aussi donc, comme pédale pour avoir un peu plus de treble, pas mal de morceaux. Les années 80, alors, peut-être l'overdrive à lampe, la fameuse overdrive à lampe, la BK Butler Tube Driver, Tube Works Tube Driver et la Chandler Tube Driver.
fait la ta faisait pratiquement la même pédale, sauf que Wahda fait un seul potard de tonalité, Wahda fait deux potards de tonalité, à quelques, on va dire, détails près, c'était à peu près la même pédale, d'accord. Pour un novice, il ne va pas vraiment pouvoir faire la différence bien être. Moi, personnellement, j'utilise Kifkifum Buffalo, donc TDX. C'est la version tubeless, donc une version sans lampe. Parce que la pédale, à l'origine, donc, c'est une pédale à lampe. Buffalo, dans son génie, donc encore une fois, il nous a sorti une pédale qui reprenait exactement le même caractère que la tube driver. Mais sans la pédale, sans le tracas, le câble à 220 volts, etc. Tout le casse-tête qu'un guitariste voudrait donc éviter. Alors, moi je vous parle de ça. Vous pouvez trouver avec le son une pédale comme celle-ci, donc une Blues Driver. Là, j'ai la version Waza Modded, mais j'avais aussi donc la Blues Driver tout simplement. Donc ça, c'est une pédale qui reprend exactement le son, enfin exactement non, mais qui va reprendre vraiment le son avec l'essence avec la tube driver. Moi, cette pédale, par exemple, elle a fait partie de mon rig pendant très longtemps et je vous cache pas que Retrofuji, donc de temps en temps je fais ça, de temps en temps j'utilise la BB Preamp, mais pour des utilisations un peu différentes, mais à des Retrofuji. D'accord. Voilà. Donc, on a parlé de Clinton. On a parlé donc de son boosté. La pédale Hadi, je peux vous dire que c'est la meilleure alternative si vous voulez pour booster un petit peu votre son. Un son overdriven, donc à la des années Loulin, donc Color Sound par Boost. Après, donc vous avez la tube driver qu'il utilise aussi en saturation. Vous pouvez la remplacer aussi par une pédale telle que la OCD. Allez, voilà, ça c'est une pédale aussi que je recommande vraiment pour ce genre de son. Et un comme aussi donc les trois versions de la Big Muff. Donc la Big Muff c'est une composante essentielle si vous voulez du Pink Floyd de c'est-à-dire les 79, donc tous les albums qui sont venus après, vous n'y échapperez pas. Alors, bonne nouvelle, Electromonix nous sort les trois reissues, je les ai toutes les trois, donc la fameuse Ramset, il est bizarrement Matelkavach Pedal Vortex. Donc moi je favorise beaucoup plus la Big Muff, la Green Machine. La Triangle aussi, donc que voici, la Green Machine que voilà, ou Hadi. Donc c'est les trois pédales les rentes pour Gilmore, donc pour le son Gilmore. Ce que je peux vous dire, si vous êtes à court de budget, je vous recommande Hadi en second lieu, ou la Green Machine en premier plan, d'accord. La Green Machine fera beaucoup plus de basses, fera beaucoup plus de marge. Avec celle-là, moi je trouve que vous allez avoir le son authentique sur le wall, tout ça, mais c'est tout. Maintenant, j'ai comme vraiment une grande marge de manœuvre pour avoir les autres sons, d'accord. C'est-à-dire, moi, ce que je veux dire, c'est que avec la Big Muff, je peux avoir un son qui va vers le son avec ta The Wall. Avec celle-là, je peux pas avoir le son, tous les sons de Pulse. Je peux pas avoir le son de Soro. Je peux pas avoir le son de Comfortably Numb Pulse que tout le monde adore aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour. Alors, pour un budget encore plus serré. Vous avez Joyo qui sort pratiquement dans le plus Gilmour qu'il y a là. Alors vous avez la Blue Mood pour la l'équivalent d'une Tube Driver. Vous aurez la je me rappelle plus comment elle s'appelle,
Triangle Big Muff, quelque chose comme ça, ou la Triangle Fuzz, quelque chose comme ça. C'est l'équivalent donc d'une Big Muff. Et comme je ne me rappelle plus, Black Secret, quelque chose comme ça, qui est l'équivalent d'une Procorat. Pratiquement, la gamme Joyo, Moore, pardon, c'est pas Joyo, c'est Moore. Alors, la gamme Moore, elle a toute la panoplie. C'est-à-dire, vous pouvez piocher dedans pour un petit pedalboard qui est mini, qui fait, on va dire, tout ce qu'on attend de lui, surtout pour un bedroom setup. C'est super. Alors, je pense qu'on a fait le tour des modulations. De la saturation. On a dit la modulation. Flash intercom. Vous allez trouver donc la compression, la saturation. Des fois, vous allez trouver un blend, donc deux pédales de saturation, pas plus. Donc, on est jusque-là, on a trois pédales pour avoir un son. Quatrième pédale que vous allez trouver, c'est les pédales de modulation. Alors, depuis que j'ai commencé mes recherches, personnellement, je pense que je suis passé, j'ai acheté toutes les pédales de modulation, les existantes derrière. Donc, la totale, toutes les chorus, toutes les phaseurs, la totale, Camus. Bon, avec le temps, on commence à affiner, à trouver la bonne pédale, de la mauvaise pédale, les sites qui vous orientent un petit peu. Gilmourish, Bjorn, bien sûr, on peut pas vivre sans sa chaîne plutôt, YouTube ou son site, web Gilmourish. Alors, faites la chorus, je sais pas pourquoi. La chorus, c'est une pédale qui a été un peu tard, le son de Gilmour. Donc il a commencé, le premier effet de modulation qu'il a utilisé, c'est un Univibe, BDF, le Dark Side of the Moon. Donc il a utilisé un Univox, Univibe, pratiquement pour tout en fait. Des sons. Bon, là, on est en train de tourner, il est pratiquement 2h du matin, donc on ne peut pas vraiment faire beaucoup de bruit. Mais mal. Donc, des sons tels que. Breathe. Des sons tels que. Donc, l'Univibe, Solo de Time, les débuts, Shuehir, alors c'était une Univibe qui me dabéra le fameux. Pour anecdote, les 4 notes à 2, la boucle toutes les modulations du monde. Mais j'ai une modulation, Gilmour et Haljorba. D'accord, donc ça c'est pour la fin. Donc il a commencé avec une Univibe, 73, Dark Side of the Moon. Ensuite, ça m'chat m'ahtal animals, où il a introduit la phase 90. Phase 90 que j'ai quelque part, voilà, donc ça c'est une phase 90, où il y a la script logo, les m'ktoubabillites. Il n'y avait pas de loupiote, il n'y avait pas d'alimentation FIHA, c'était une pédale, belle pile 9 volts. Il paraît que le son est meilleur, il paraît que le son est plus organique, tout ça, mais bon, ça reste des il paraît. Je n'ai pas testé. Alors, ça, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Le dismatoha, là. Adios. Donc, une phase 90. Ça vous donne avec la modulation. Si vous voulez entrer dans le détail, plus tard, il a utilisé une phase son. Animal, je pense. Animal, oui. Osmond aussi. Donc, voilà. Donc, il a utilisé Animal, la phase son. Alors, la différence entre une phase son et une phase 90, c'est tout simplement ça. Anna, vous avez une phase, ce qu'on appelle les étages de phase, Alors, je ne vais pas faire un cours d'électronique. Il faut savoir juste que pour tout ce qui est
ويلي كيما هكذا حين تحقوا البيدال اللي فيها 4 ايطاج كيما هادي هادي سي اون 4 ستيج فايزر moi plus tard donc par souci d'ergonomie ben je marche aller à la pédale d'alimentation de modulation j'ai acheté ça donc une Mobius alors la Mobius c'est une pédale qui est censée être high end qui est censée être coûte cher donne un super son etc chez Eta parce que fait quand même les effets de modulation chorus phaser flanger la totale ou comme Gilmour il a tout utilisé donc je me devais de l'avoir j'ai acheté ça l'avantage Hadi c'est qu'on peut paramétrer notre phaser 4 étages 2 étages 8 étages ce que vous voulez faut retenir une chose principalement moi ce que je peux vous recommander Phase 90 ou là bien sûr l'amour Phase machin chose, Orange Phase, quelque chose comme ça. C'est, j'ai pas eu le temps de travailler les détails. Alors, une pédale Phase, rien que le kawha, l'hema. Rien que le kawha, l'hema. Le son HADA, c'est la caractéristique typique d'une phaser. D'accord ? Voilà. Donc, phaser, il n'a pratiquement pas quitté. Les années 80, la mode, c'était les chorus. Gilmour se met à la chorus. CE1, puis CE2, puis CE3, puis CE2, puis CE2B pour basse aussi, oui, la PA. Donc, voilà. Ça, c'est la version, la Regio, la réédition de la CE2. Oisa, kiff. C'est une merveille. C'est ça, je ne peux pas vous dire. Pour Gilmour, 80s, The Wall, vous ne pouvez pas vivre sans ça. Alors, moi, si vous voulez un Khrouhaja Fihaja, Mobius. C'est le seul effet que je trouve Maoud vraiment à l'identique. La Bricat Brigade Chorus, c'est vraiment quelque chose Flamobius, avec la phaser. Là où je ne suis pas convaincu de la Mobius, c'est justement l'era Kif Kif The Wall, où on a la électro-harmonics Electric Mistress. La Electric Mistress est une pédale de flanger. Maroufa and Gilmour, Maroufa and Andy Summers, Police. Alors, la Electric Mistress, c'est Walking on the Moon, l'intro de Walking on the Moon. C'est une Electric Mistress. C'est l'intro de Another Break in the Wall. سمعوها في نوتا موف سولو تاع كونفورتابل نوت اوسي دونك فوالا ا بو بري لا فلانجور عاش بها بوندون دونك ذا وول كامل ذا وول براتيكمون لا مودولاسيون كي اتي اوتيليزي سيتي لا الكتريك ميستريس La particularité de l'Electric Mistress, c'est une pédale tellement d'arf de Gilmour ou Andy Summers que la pédale elle coûte dans les 300-400 euros. Les riches ont vraiment machi haja. Donc il y a avec toujours le high-end, avec la partie très blée à la fin, qui met ce mouhache parce que la pédale fait un bzef rih, bzef lhass, d'accord. Donc les nouvelles pédales de flanger, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un filtre qui coupe hadak rih, donc ils coupent aussi les trebles. Les hadak les trebles, ils te le en fait le son ta Gilmour ou la ta Andy Summers, d'accord. Voilà. Donc à partir de là, il y a maintenant toujours Mouer qui nous a sorti la Elec Lady, paraît qu'elle est formidable. Moi, j'ai opté pour une. Alors, étant pas bien sûr pas convaincu de la Flanger à la Mobius, j'ai opté pour une Retrosonics. C'est une marque canadienne qui fait des pédales boutique. Voilà, donc j'ai opté pour
avec la pédale, elle reprend l'air électrique mistress sans le souffle et avec donc le high end. Alors pour le délai, la modulation déjà, je disais, ça a commencé par une vibe à date le flanger, le phaser, flanger, électrique mistress, bad la chorus en CE2. Chorus, c'était une vague, la mode sur les années 80-90. Ensuite, actuellement, Gilmour a l'utilisation, donc, beaucoup plus fleurique, c'est actuel, beaucoup plus la phaser, l'univibe qui pratiquement jamais rate, et la électrique mistress. Voilà. J'ouvre une petite parenthèse, il y a d'autres effets de modulation, mais qui sont pas vraiment, qui font pas partie vraiment de l'empreinte de Gilmour, qui m'a le trémolo, le trémolo, les deux notes, dans le Breaking the Wall, par exemple, il a utilisé le Demeter Tremulator. Voilà, sinon, il y a aussi donc l'effet de Rotary, l'Irohuiji, où la Rotary and Gilmour, ce n'est pas un effet de modulation à part entière. Il utilisait avant donc des amplis de Rotary, tels que le Yamaha RA200. Il a utilisé les Leslie, donc c'est des vrais Rotary. Ensuite, donc, il s'est fait faire ses propres. Il a utilisé le Gibson Rover Revolver, machin chose, RA160, quelque chose comme ça. Donc, c'est un effet de Rotary. C'est une baffle qui tourne, en fait. Elle fait avec l'effet Doppler, Tsmahan, sont les Dour Alik. D'accord. Voilà, enfin, les Dour. Voilà, donc had le son, il l'a utilisé pendant pratiquement toute sa carrière, mais l'ibda hatta les années 90. De temps en temps, il utilise des Rotary, Kim Off, Any Color You Like, par exemple, ou Itlaqam, un effet de Rotary. Alors, pour passer les délais, il y a un effet, les machines smahan, les il y a la base alta, c'est les effets analogiques. Donc, pour nous, pédale, ça veut dire analogique, multi-effet, ça veut dire numérique. Hadi, oui. Mais les délais, il y a trois types de délais. Alors, vous avez les délais à bande, vous avez les délais analogiques et vous avez les délais numériques. Gilmour, il avait utilisé les Binson et Korek. C'est des délais à bande, c'est des délais, on appelle ça des tape délais. Alors c'est le principe, c'est quoi? C'est une grosse machine qui donne un fait à qui m'a la cassette vidéo, la qui m'a la cassette tape qui est avec ta son, c'est une bobine, c'est pour ça qu'on appelle tape, une bobine d'or, elle enregistre. Où elle enregistre un son, par exemple si je touche une note, elle va l'enregistrer. Elle va faire un effet de retard ou elle va la rejouer, en fait. D'accord. Donc, le Binson Equalec, il avait une latence maximale de 310 millisecondes. D'accord. Ça, c'est... La particularité de TAO, c'est que les répétitions, regardez quand vous faites ça, aident les répétitions qui ont été d'une façon, c'est-à-dire... Loula trouve un peu, Tania trouve un peu plus sombre que Loula, donc un peu plus bassy, parce que en fait il y avait l'effet aléatoire avec à la bande. Le délai numérique, c'est un délai, on va dire, qui reprend exactement le son. Wintlerau, le délai numérique, il a commencé à utiliser un délai numérique, The Wolf, l'album The Wolf. L'intro à The Wall, The Last Break The Wall. En fait, il y a plein de titres où on a avec le délai exact. What Do You Want From Me? Keep Talking, Ado Camel, c'est des délais numériques. Ensuite, il a aussi fait en sorte, quand il a utilisé les racks, donc le MXR, le TC2990, etc., il a utilisé le délai numérique pour simuler le Binson Equalec.
D'accord. Donc, il y avait plus d'options. On pouvait travailler les tails Hadoop. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je veux que vous reteniez, si vous voulez jouer du Pink Floyd tel les années Lolin, alors vous allez favoriser une pédale de delay. Moi, je vous dis deux choses. Pédale de delay, Hajaki Mahadi, faire des modes, ça c'est du numérique. C'est une pédale numérique. Vous voulez jouer le wall, prenez ça. D'accord. Ça coûte pas cher, c'est un bon pédale, c'est solide quand même temps que. Puis voilà. Si vous voulez une pédale qui fait un peu tout, qui rentre dans un pedalboard, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Flashback, un tas des modes, un comme donc le mode 2290, c'est le mode. Le TC électronique, le fameux justement, qu'il avait utilisé, ou un truc, un mode tape delay. Voilà. Donc là, avec ça, vous pouvez avoir un son qui se rapproche vraiment du beat sound correct. Moi, personnellement, j'utilise une Boonard, c'est une pédale croix, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, Croissy, c'est une pédale qui est faite en Croissy. C'est un gars qui vraiment cherche à faire des répliques des pédales utilisées par Gilmour. Donc, Hadi, c'est la réédition, si vous voulez, c'est le Binson Ecolac in the Box. Belle pédale, les quatre têtes, un souci du détail monstrueux. Vraiment, vous utilisez ça. Vous êtes à un poil du Binson Ecolac. Sinon, ça aussi, ça le fait vraiment grave. Surtout avec un pedalboard. Si vous jouez chez vous, prenez quelque chose comme ça. Super. Alors, delay numérique. Je disais que la power du wall et tout. Il faut savoir une chose. Un do quatre configurations. Gilmour, un do quatre configurations. Donc, une configuration qui était le max, le Binson Ecolac, 310 millisecondes. Le Kara pratiquement fait bzaf, les solos. Le Kara, c'est le son par défaut, si vous voulez. Et comme un son beaucoup plus. Un délai un peu plus long, le Kara fait les solos, 380 millisecondes. Et comme un délai à 440, le Kara fait le délai numérique. Ou comme les longs délais, le Kaum Shine On, Coming Back to Life, etc. Un délai à 550 millisecondes. C'est les quatre configurations de délais que vous allez trouver. Alors, si vous voulez justement aller dans ce genre de délai, de détails, je vous recommande ça. Ça, c'est une pédale avec un afficheur. Oui, vous pouvez donc programmer vos répétitions. Vraiment, si vous êtes passionné de détails, avec le détail, ça, c'est vraiment une pédale qui fait le travail. C'est solide, c'est du TC électronique, un algorithme donc 2990. On est très proche vraiment très proche du délai qu'utilisait Gilmour dans les années 90. Si vous voulez, on peut diviser le choix des pédales à la deux. Une pédale qui fait tout, mais en format Stompbox, donc Footprint, elle fait tout. Ou là, une pédale comme ça, donc avec l'afficheur qui vous permet plus d'exactitude. Une sortie stéréo, que demande le peuple. Après ça, un from des pédales dédiées. Alors ça aussi, ça vous permet donc de reprendre le son du Binson Ecolac à Karab. Au fait, il a utilisé à un moment le RA210, si je me rappelle bien, le Roland. Hadi, c'est la réplique TRO avec tous les modes. Vous avez la configuration à l'état derrière. Ça, c'est vraiment, moi, si on est un fan de Gilmour, vraiment, vraiment fan, quoi. Moi, j'ai ça. C'est une merveille, tout simplement. C'est une Eventide Time Factor. Mon avis personnel, Hadi. Ni Strymon ni rien du tout. Alors Strymon Timeline, je sais pas quoi.
Saint-Sélton. Vous avez deux délais indépendants, ce que vous n'avez pas fait, Frère Salimane. Les deux délais indépendants, vous allez les programmer, qui m'habitou, surtout qu'il mourir avec les faits. C'est pas vraiment du sound ensemble, mais quelque chose comme ça. Donc, un truc de délai qui, de répétition différente, un son qui est vraiment large. Voilà. Alors, pour info, Gilmour n'a pratiquement jamais utilisé de reverb, surtout sur scène. Donc, maintenant, toujours à dire, ce qui vous semble être une reverb, en fait, c'est une, c'est le bison écho-rack qui est très proche d'une reverb, avec l'effet écho, si vous voulez. Donc, vous trompez pas. Moi, j'ai une holophone, mais ça me permet juste de splitter mon signal parce que pour jouer en stéréo, en fait, voilà. Je pense qu'on a fait le tour du pedalboard. Donc, conclusion, je m'en allais qu'il faut 50 000 pédales pour jouer Gilmour. Donc, faut s'arrêter, faut patcher les pédales. Je vous dis non. Ça prend une compression, une overdrive. Une pédale qui va faire du gros son, si vous voulez. Donc, soit c'est une fois, soit c'est une Big Muff. Je vous recommande la Big Muff. On est à trois pédales. Sako, une modulation. Si vous voulez une pédale qui fait un peu tout, prenez un phaser, un Phase 90. On a quatre pédales. Vous voulez donc un délai qui fait tout, prenez un flashback ou un équivalent, donc on est à 5 pédales. 5 pédales, vous avez Gilmour, vous avez pratiquement, je vais dire, 90% de Gilmour, c'est énorme. Ensuite, si vous ne voulez pas vous casser la tête à acheter un equalizer, pensez à investir dans des cordes. Alors les cordes, elles vous permettent de récupérer du high-end, d'accord, contrairement à des jacks de mauvaise qualité, il y a tout comme un son bassy. Alors, Gilmour, avec le cristal, le clean, il ne faut pas le perdre. Vous voyez? Donc, soit vous allez le payer là ou là, d'accord, hein? Soit vous allez acheter des jacks de qualité, ils vont vivre plus longtemps, ou il y a tout comme avec le high-end. En fait, moi, depuis que je suis passé à des jacks de qualité, j'ai carrément désactivé mon equalizer. Mon equalizer avant, où je connais dire, quand les deux dernières bandes de 100 Hz et 80 Hz, je les boostais en légère. C'est pour récupérer la perte, dès que j'avais fait le câblage. J'ai acheté un meilleur câblage, j'ai désactivé mon equalizer et j'ai un meilleur son. C'est une Strat, c'est une américaine standard avec trois micros stock. J'ai pas changé de micro. Voilà, j'ai pas ressenti le besoin. J'ai pas besoin d'aller vers du EMG, DG, tout et tout et tout. D'accord ? Donc, voilà. Là, c'est pour, si vous voulez, avoir le son fait pédalboard. Donc, pour conclure, moi, je vous dis. Très bien, le son à Gilmour, c'est pas impossible. C'est pas une philosophie. Vous voyez, on a fait le tour en 20-30 minutes à peu près. Le son est très simple, en fait. Si le son divise en parties, ce que j'ai essayé de faire avec vous, le son est vraiment simple. Comme je vous disais, compression, saturation, modulation et délai. Une guitare, n'importe quelle strat, une Squier Affinity, une Squier Classic Vibe, ça le fait. Voilà, donc sachez que le prix de la guitare ou la gamme de la guitare pour une strat ou je raconte la boue, ça fait pas vraiment beaucoup de différence. Vous pouvez investir dans une paire de micros là. Voilà, ça le fait. Il utilise la dernière paire, en fait, la Black Strat, il utilise des Seymour Duncan SSL5 et des vintage machin chose, des Fender Classic 57, non, Classic 57, c'est une Gibson, qu'est-ce que je dis, c'est des 59, quelque chose comme ça. En fait, le principe est très simple. Il se hack des micros qui ne saturent pas trop et qui ont une légère bosse sur les médiums. Donc les références, tout ça, il ne faut pas trop se casser la tête. On peut vous balancer 1000 références, mais en réalité, ça fait l'affaire. Ça, c'est un 7C Modincan SSL1. Qui est pas un Black Strat. Voilà, donc en gros, il se hack des micros
mid-range, qui ne sature pas trop. Un pedalboard, la pièce la plus importante, un ampli. Alors, votre ampli, Guillemot, il faut savoir une chose, sans parler de high watt, de toutes les conneries, donc sinon je m'arrête pour le que. لازم لك هاي وات باش تلعب كيلمور نورمال لازم لك هاي وات لازم لك ان امبلي كلين هذا ماك داكور دونك تحقق ان امبلي كلين كي نساتور با كي نا با دو بوس في لي ميديوم داكور باسكو ديجا سي شارجي داكور هذا ماك vous allez avoir un ampli avec ce qu'on appelle donc beaucoup de headroom c'est-à-dire un ampli quand on le pousse quand on pousse le volume de l'ampli même dès chez saturé même dès chez c'est-à-dire il commence pas à saturer à avoir du gars hada un ampli high headroom voilà donc ça peut être du high watt le high watt l'avantage c'est que vous le mettez à 10 il braque d'accord c'est ce que vous cherchez prenez n'importe quel ampli défiez la caractéristique à 10 vous lui mettez le pedalboard de la dame allez je vous garantis que vous allez avoir le son avec. D'accord? Donc, voilà. Roy, il est parti sur du high watt. Il a Bekele Khlas, il a utilisé du Selmer, mais ça remonte à très loin. High watt DL-101. Il est parti sur du Fender, sur du Fender Bassman, sur du Fender Super Champ 18 watts. Il est parti sur du Mesa Boogie Mark A, mais il a utilisé uniquement préamp. Twin Reverb, alors tout ce qui est fin derrière, ça le fait grave. Moi, ce que je peux vous recommander, comme les amplis à lampe, comme les. Je perds le mot. Les Bouguera, donc les V22, tout ça, ça le fait. Et comme les Fender Super Champ, comme les Fender Blues Junior, c'est des super amplis. Si vous jouez en live et tout, je vais vous recommander du autre de luxe aussi. Vous pouvez aller vers. Si vous n'aimez pas les lampes ou si vous avez un problème avec le poids des amplis, tout ça, comme les Roland Cube qui font de super amplis, ils sont clean. Mon ami, Madani utilise donc un Roland Cube, je pense un 80. Il est super fan de Pink Floyd et le son est magnifique, un démon cool. Vous pouvez aller vers du Roland Plus Cube, super ampli. C'est pas un ampli à lampe, mais croyez-moi, c'est comme si vous avez des lampes. Voilà, donc Hado Kamel, c'est des amplis. On est passé de l'ampli Hada qui fait 30-40 000 dinars à Telfort Kamel. Vous pouvez aller jusqu'à du Mark V. Là, ça c'est pour. Moi, j'ai opté pour un Mark V parce que je ne joue pas que du Pink Floyd. Donc, ça me permet de ratisser large. C'est super pour Pink Floyd, pour beaucoup de choses, d'autres choses aussi. Voilà. Alors, n'oubliez pas le pic. Voilà.